Hello, bonjour. Bonjour. Bon, tu es congolais. Oui, je suis congolais. Voilà, donc Congo, belge, Congo Kinshasa. Voilà, ex-Zaïre, ex-Congo belge. Ça fait longtemps que tu as quitté ton pays? Ouais, ça fait très longtemps que j'ai quitté mon pays et plus de 20 ans que je suis ici en France. Et tu l'as quitté pourquoi? Pour les problèmes qu'il y avait là-bas? Ou pour ta carrière? Pour ma carrière, pour la danse, comme j'adore la danse, et voilà, je me suis dit pourquoi pas apporter notre culture ici en France, voilà, faire partager ça, ces moments magiques que moi j'apprécie, de faire partager avec d'autres personnes qui connaissent pas ma danse, qui connaissent pas ma culture. Alors voilà. Justement, donc on va rappeler donc que tu es prof de danse au Centre Momboy. Oui. Tu es chorégraphe, tu es danseur, tu as une compagnie. Oui, je chante aussi. En plus tu chantes, voilà. Et donc là tu nous as interprété une danse assez particulière aujourd'hui, enfin tu l'as enseigné. C'est une danse de séduction, c'est ça? Oui, effectivement, ça s'appelle Topoké. Topoké. Voilà, c'est une danse de séduction, une danse d'accouplement, voilà. Donc, qui est très sensuelle alors. Ouais, hein. Qui est très très sensuelle. Parce que dans ma danse, chez moi, on utilise beaucoup le bassin. Les bassins. Ouais. Voilà, ça tourne, ça va devant, ça va en arrière, des côtés aussi. Parce que c'est une partie vitale pour nous. Donc, les Congolais, on dit que grâce au bassin, on existe. Donc c'est la vie. La vie voilà. Est dans le bassin. Alors. Voilà. Heureusement. Sinon, sans les bassins, on n'allait pas exister. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre danse au Congo? Il y en a beaucoup, je suppose. Ah oui, il y a plusieurs danses. Voilà. Ouais. Bon, si on quitte un peu ces domaines de séduction, il y a aussi la danse des guerriers aussi, qu'on appelle Esombi, qui vient du Nord. Parce que les guerriers, quand ils se préparent pour aller combattre, ou les chasseurs pour aller chasser tout ça, ils exécutent ces danses-là. Bon, c'est aussi pour des chasseresses aussi. Donc, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes aussi. Voilà, c'est vraiment intense, quoi. Donc, ils dansent, ils sautent, ils font des acrobaties et après ils vont dans la forêt équatoriale. Là, ils sont sûrs que non, ils vont ramener des gibiers. Donc tout le monde va manger au village. Alors justement au cours là, tu l'apprends cette danse-là ou ouais? Voilà, ouais. Mais cette année je ne l'ai pas apprise, donc c'était l'année dernière, puisque chaque année j'essaye de changer un peu. D'accord. Et comme mon pays est grand, ça fait au moins à peu près 5 fois donc la France, on prend France 1, 2, 3, 4, 5 fois, ça fait le Congo, et il y a plus de 400 tribus. Et plus de 400 danses. Danses différentes. Voilà. Ouais. Et moi, je ne connais pas toutes les danses de chez moi. Et je vais aussi chez moi régulièrement pour apprendre aussi d'autres danses que je ne connaissais pas. Voilà. Et je découvre quand j'apprends et puis je ramène ça ici. Et du coup, moi, je fais tout pour que chaque année, j'enseigne une nouvelle danse. Une nouvelle danse. D'accord. De chez moi. Alors, comment tu es venu à la danse? Petit, jeune Bon, je crois que c'est comme tout enfant, que ce soit africain ou européen, quand on lâche comme ça dans la nature, ouais. Sauf dans des grandes villes, mais comme moi j'ai grandi un peu au village, on est dehors et quand on voit les adultes danser, jouer au tam-tam, tout ça, on essaye de faire comme les adultes. Et après, ça devient un hobby, voilà, on reste là dedans, on aime. Il y a d'autres qui, voilà, bon, ils lâchent, ils font autre chose, des études, et moi c'était la danse. Tu penses que la culture congolaise est connue en France? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication sur cette culture? Est-ce que les musiciens aussi sont assez connus? Ou plus en Belgique hein? Ouais, je crois que c'est plus connu en Belgique, puisque ici en France, ce qu'on connaît plus, c'est la musique moderne congolaise. Ouais. Voilà, tout ce qui est Papa Wemba, Werason, Koffi Olomide, Jibé Mpiana, tout ça, c'est connu. Mais tout ce qui est danse traditionnelle ou musique traditionnelle du Congo, c'est inconnu. Voilà, mais par contre, vous traversez, vous allez de l'autre côté en Belgique, là oui, il y a... Pourquoi? Parce qu'on a été colonisé par les Belges. Voilà. Ici, on trouve plus du Sénégal, du Guinée, parce que c'est des pays qui ont été colonisés par la France. Voilà. Donc, il y a une histoire. Mais nous, comme nous avons une histoire avec la Belgique. Voilà. Bon, mais moi, je me suis retrouvé ici parce que j'aime ces pays, la France, il y a la langue aussi, parce qu'on m'a enseigné aussi à l'école primaire la langue française, que j'apprécie, que j'adore. Voilà. C'est pour cela que je me suis retrouvé ici. Alors, enfin, tu es déjà passé souvent sur les plateaux France 2, France 3, Direct 8.
tu es célèbre. Oh, célèbre, non, c'est trop dur, c'est trop dur, célèbre, non. Ouais. Bon, on m'a déjà invité à gauche, à droite, chez Drucker, tout ça. Bon, c'était quoi? C'était parce que Ségolène Royal était l'invité principal. Ouais. On voulait lui faire une surprise comme elle est née en Afrique. C'est pour cela que j'ai été contacté avec ma compagnie pour faire une petite démonstration de la danse africaine. Voilà, sur France 2, Direct 8, TF1 aussi, même M6, il y a très longtemps. Alors justement, ta compagnie, tu peux nous en parler? Tu tournes beaucoup avec elle? Tu voyages beaucoup? Voilà, avec la compagnie, je voyage, oui, beaucoup, c'est trop dur, mais si je voyage un peu, voilà, ici en France, et puis à l'étranger, surtout la Suisse, l'Allemagne, la Belgique aussi. Voilà, c'est une petite compagnie composée de 15 membres, mais des fois quand on voyage pas avec tous les 15 artistes. Il y a peut-être 10 artistes qui voyagent, tout ça, voilà, bon. Et avec cette compagnie, on a plusieurs spectacles qu'on fait. Voilà, je peux vous citer par exemple un spectacle tout bête, Ndumba. Ndumba qui signifie la jeune fille. Alors l'interprétation chez moi de ces mots Ndumba, c'est juste et juste. Hein. C'est comme on peut dire les gens qui font, donc les filles qui font, je peux dire, qui font les trottoirs. Donc c'est un peu comme ça. Et moi je voulais dire, passer ces messages à mes compatriotes congolais, que le mot Ndumba signifie une jeune fille célibataire. Voilà. Et là, je me déguise en femme et je joue le rôle de cette fille avec plusieurs danses dedans. Et tu t'es déjà produit en Afrique? Non, pas encore avec la compagnie ici? Non, avec ma compagnie, non, toujours ici. Mais souvent, j'amène mes élèves faire des stages en Afrique. Là, je viens tout juste de quitter mon pays. Il y a quoi, presque un mois, j'étais au pays pour faire un stage avec une dizaine des européennes qui étaient venues avec moi pour apprendre la danse de chez moi. Ils ont passé deux semaines vraiment agréables. Ils ont apprécié. Et en 2012, je ferai la même chose aussi. Voilà. Très bien. On te remercie, Gallo. Merci. Merci à toi, Eric. Vraiment?